au Cameroun. L'association Vision C et son fondateur Steve Chingang, player development coach à Boston Celtics en NBA, ont organisé un tournoi réunissant 17 centres de formation en basketball du 3 au 5 août 2023 au gymnase de l'Université de Douala. Le tournoi a connu la victoire de Friendship de Yaoundé chez les hommes et Alf de la même ville chez les femmes. Pour la seconde articulation de cet événement sportif, 100 jeunes issus de toutes les régions du Cameroun âgés respectivement de 13 à 16 ans ont pris part de 8 au 9 août au gymnase du collège de la salle de Douala à la deuxième édition du tournoi national Vision C. L'idée c'est juste de réunir les enfants et les aider à évoluer dans le basket, leur loisir choisi et évidemment aussi les encourager de cette sorte avec des équipements de basket. Et évidemment des équipements scolaires pour la rentrée scolaire qui s'approche. Pendant deux jours, les jeunes sélectionnés ont reçu aussi bien des enseignements en rapport avec le basketball que des valeurs sociales qui leur permettront de devenir des meilleurs hommes dans le futur. On a fait les dribbles, on a fait les passes, on a appris à faire la passe avec une main, avec sur deux appuis, sur un appui. Et on a aussi appris à faire les blocs. Le camp se passe très bien. Le matin, on s'est étiré, échauffé. Ils nous ont appris les clés pour faire dans le jeu basique. Ils nous ont montré que l'important sont les fondamentaux. On nous a montré que l'étirement, les passes, comment savoir manier le ballon, c'est très important dans le jeu. Et aussi que c'est aussi très important de se faire de nouveaux amis qui peuvent nous aider à l'avenir. Organisé bénévolement pendant 6 jours par Steve Chingang, ancien pensionnaire de Flux Academy de Douala, l'événement dénommé Association Vision C est un événement sportif made in Cameroun qui allie formation, encadrement, clinique des entraîneurs, formateurs et organisation des camps de jeunes Camerounais sans distinction de sexe âgés de 13 à 16 ans. Il a pour vision, selon les organisateurs, de mettre en avant le basketball camerounais et accompagner tout ce qui se fait de bien de la discipline depuis des années.